falaise Bonandiaou, auquel il était très attaché. Peut-être à 11h, il faisait une course à la banque ou auprès d'un partenaire commercial, et à midi, il rentrait toujours chez lui, manger, servi par ses épouses. Il avait de la chance, c'est pas comme autre aujourd'hui. Après avoir déjeuné, il allait faire sa sieste avec Pis Saint-Jean. À 16h, il repartait au bureau et il travaillait ainsi jusqu'à 23h, minuit. Et comme je l'ai dit, c'est lui qui éteignait la lumière en partant. Troisième point, c'était un économe. À la famille de Monsieur Pascal Mongam, sous couvert de Monsieur le préfet du département du Hongam, Papafan. Mesdames, Messieurs, j'ai appris la triste nouvelle du décès de Monsieur Pascal Mongam, votre époux et père. Je mesure la profondeur de votre chagrin et celui de vos proches. Homme d'affaires prospère, M. Pascal Mongam était un acteur économique de poids dans notre pays. Ses importantes et belles réalisations au Cameroun et à l'étranger, notamment en Afrique du Sud, en sont la preuve. Par ailleurs, il fut un militant loyal et engagé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ainsi qu'une élite respectée pour son attachement à son terroir. Sa disparition est une grande perte pour la région de l'Ouest, le monde de l'entreprise, notre parti et le Cameroun, dont il aura été un valeureux fils. Je vous adresse en cette douloureuse circonstance, ainsi qu'à toute votre famille, mes sincères condoléances, auxquelles j'associe la compassion émue de mon épouse. Veuillez agréer, mesdames et messieurs, les assurances de ma parfaite considération. Président de la République, signé Paul Biya.
Monsieur Moncam Pascal, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand cordon du mérite camerounais à titre posthume. Yeah.